Il y avait une fois un musicien merveilleux qui traversait une forêt où il ne voyait absolument personne. Pour se distraire, il pensait à ci ou à ça, et quand il ne lui resta plus rien à quoi penser, il se mit à parler, tout seul. Oh, mais c'est fou ce que je m'ennuie dans cette forêt. Il faut absolument que je me trouve un bon compagnon. Alors il saisit le violon qu'il portait accroché sur son dos et se mit à jouer un petit air qui résonna à travers les arbres. Presque aussitôt, un loup, attiré par le bruit, sortit des fourrés. Oh, voilà le loup qui arrive. Ce n'est pas lui que j'avais envie de voir. Mais le loup continua d'avancer et lui dit... Brave musicien, comme tu joues bien du violon, je voudrais apprendre aussi. Ça s'apprend vite. Tu n'as qu'à faire exactement ce que je vais te dire. Musicien, je vais t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Le musicien lui dit de l'accompagner, et lorsqu'ils eurent fait ensemble un bout de chemin, ils arrivèrent près d'un vieux chêne creux qui était tout fendu au milieu. Regarde ce chêne. Si tu veux apprendre à jouer du violon, mets tes pattes de devant dans cette fente. Le loup obéit, et le musicien ramassa vite une pierre et lui en donna un grand coup sur les deux pattes. Si bien qu'il le coinça dans la fente et que le loup resta là, prisonnier. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne. Et il continua son chemin. Au bout d'un petit moment, il se remit à parler tout seul. Oh, c'est fou ce que je m'ennuie dans cette forêt. Il faut absolument que je me trouve un autre compagnon. Il reprit son violon et se remit à en jouer un petit air. Très vite, il vit arriver un renard qui se glissait entre les arbres. Oh, voilà le renard qui arrive. Ce n'est pas lui que j'avais envie de voir. Le renard s'approcha de lui et dit... Brave musicien, comme tu joues bien du violon. Je voudrais apprendre aussi. Ça s'apprend vite. Tu n'as qu'à faire exactement ce que je vais te dire. Musicien, je t'obéirai comme un écolier obéit à son maître. Suis-moi. Et lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, ils arrivèrent à un petit sentier des deux côtés duquel se dressaient de hauts arbrisseaux. Le musicien s'arrêta, saisit un noisetier dont il courba la tête jusqu'au sol. Il posa son pied dessus, puis il empoigna un autre noisetier qui se dressait juste en face et dit « Eh bien, petit renard, tu veux apprendre quelque chose? Tends-moi ta patte gauche !» Le renard obéit et le musicien lui attacha la patte à la tige de gauche. « Petit renard, maintenant, tends-moi ta patte droite !» Et il lui attacha la patte droite à la tige de droite. Et lorsqu'il se fut assuré que les nœuds de la ficelle tenaient solidement, il lâcha tout. Les deux arbustes se relevèrent en entraînant le renard qui resta accroché dans l'air en gigotant comme un perdu. Attends-moi là jusqu'à ce que je revienne. Et il continua son chemin. Un peu plus loin, il recommença à se dire... C'est vraiment incroyable ce que je m'ennuie dans cette forêt. Je vais chercher un autre compagnon. Il reprit son violon et la musique résonna entre les arbres. Petit lièvre s'approcha en bondissant. Ah, voilà un lièvre. Ce n'est pas un compagnon comme ça que je voulais. Eh, brave musicien, comme tu joues bien du violon, je voudrais bien apprendre aussi. Ça s'apprend vite. Il suffit de faire exactement ce que je vais te dire. Musicien, je t'obéirai comme un écolier obéit à son maître. Ils firent un bout de chemin ensemble et parvinrent à une clairière où se dressait un tremble. Le musicien attacha autour du cou du petit lièvre une longue ficelle, dont il noua l'autre extrémité au tronc de l'arbre. « Vas-y, petit lièvre, tourne 20 fois autour de l'arbre !» Et le petit lièvre obéit. Lorsqu'il eut tourné 20 fois autour de l'arbre, la ficelle s'était enroulée 20 fois autour du tronc et le petit lièvre était pris. Il eut beau tirer dans tous les sens, il ne réussit qu'à se faire mal au cou avec la ficelle. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne. Pendant ce temps-là, le loup avait tiré, poussé, mordu la pierre et s'était escrimé si longtemps
qu'il avait réussi à dégager ses pattes et à s'extirper de la fente. Plein de rage et plein de colère, il se précipita sur les traces du musicien pour le mettre en pièces. Lorsque le renard le vit arriver, il commença à se lamenter et cria de toutes ses forces. Ah, frère loup! Frère loup, viens à mon aide! Le musicien m'a joué un sale tour! Le loup tira, courba les noisetiers jusqu'au sol et libéra le renard qui le suivit pour se venger à son tour du musicien. Ils trouvèrent le petit lièvre à moitié étranglé, le détachèrent et tous trois partirent à la recherche de leur ennemi. Pendant ce temps-là, le musicien avait repris son violon pour la quatrième fois et il avait eu un peu plus de chance. La musique parvint aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui aussitôt quitta son travail et arriva, sa hache sous le bras, pour mieux l'entendre. Enfin, voilà le compagnon qu'il me faut! C'est un homme que je cherchais, et pas une bête sauvage! Et il commença à jouer une musique si douce et si jolie que le pauvre homme restait là, ravi, et que son cœur sautait de joie. Et à ce moment, le loup, le renard et le petit lièvre s'approchèrent, et le bûcheron vit bien qu'il mijotait quelque chose de pas très agréable pour le musicien. Alors, il leva sa cognée étincelante et se plaça devant lui, comme s'il voulait dire « Attention, premier qui s'approche, il aura affaire à moi !» Et les bêtes, très fâchées, retournèrent dans la forêt, tandis que le musicien jouait un dernier air pour remercier le bûcheron avant de continuer son voyage.